Bonjour tout le monde, bonjour mes vierges, c'est Nati. J'espère que vous allez bien, mes chéris. Voilà de la couleur. Je vous offre ce bouquet. Voilà, il est tout frais, tout beau. Il vient d'arriver dans la maison. Donc, à peine il y a une demi-heure, il a été acheté pour vous, mes chéris. Donc, je vous l'offre de la nature. Il faut apporter de la nature dans notre vie, dans notre cœur. Dans notre maison, notre foyer de vie, appartement, maison, peu importe, hein. Foyer de vie, c'est un respect envers nous-mêmes, un respect envers notre foyer de vie. Et bien sûr, certains vont me dire, ben oui, mais ces fleurs ont été coupées. Ces fleurs, en fait, ils les ont cultivées pour ça, effectivement. C'est sûr que parfois, quand on va se promener, on cueille des fleurs quand ça arrive encore aujourd'hui. Hein. Il faut la bonne saison, mes amis. Mais en tout cas, je tenais à vous apporter des couleurs dans votre vie, de la joie, du bonheur, mes chéris. Et les couleurs, c'est la guérison, la nature. On est nature. Donc, on en a besoin, mes chéris. Alors, et c'est du nouveau qu'on apporte. Alors, ainsi que là, j'ai allumé une bougie dorée. C'est pour la réussite, mes chéris. Donc, je vous souhaite de réussir dans vos projets, sentimentalement, professionnellement. Votre santé qui est très importante. Capital santé, il faut s'en occuper. Il faut le préserver, l'entretenir. Mes amis, c'est important. C'est pour ça que moi, j'ai pris un petit peu de repos ce week-end. Donc là, je vais regarder pour mes chères vierges du 21 au 27 mars, mes chéris. Alors, je vais juste, voilà, je le mets ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, mais j'ai besoin un petit peu de place. Il faut ce qu'il faut dans la vie, d'accord, pour mes cartes. Alors, allez. On va regarder un peu vos énergies. Pour mes vierges, je vous envoie beaucoup d'amour, vous le savez. Soyez dans la douceur, dans l'amour et dans la lumière. Ouais, super. Bon, bah écoutez, pour certains, certaines, il y a... Ouais, non, mais génial. Certaines façons, c'est les messages que j'ai eus pour mes vierges, mes amis. C'est pour ça que maintenant, j'ai tenu maintenant à faire votre tirage, d'accord? Ça me concerne également, parce que j'ai jamais le temps de faire les cartes pour moi. Donc, j'en profite. Et en fait, si vous voulez, moi, j'ai de bons messages pour vous. On va en discuter, justement. Donc, j'espère que ça va parler et que ça va vous concerner un maximum de vierges, d'accord? Je vous le souhaite en tout cas, parce qu'il y a des bons messages ici. Allez, on continue. Ouais, c'est bien ça. Ok, ça confirme. De toute façon, je n'ai pas de doute au niveau des guides, mais j'aime... parce que c'est vrai que j'aime quand... Et bien, quand ça suit et que ça se rejoint, tout simplement, c'est magnifique. Hein. Ok. Super. En dodec, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, mes amis. Il y a les choses qui s'éclaircissent. Il y a des situations qui vont s'éclaircir. On va être dans la joie, dans la bonne humeur, mes amours. On va être dans l'action. N'oubliez pas, hein, source... La source de feu, l'élément feu, c'est l'action, hein, d'accord? On va se recharger énormément ici. On reprend de la vitalité, mes amis vierges, hommes ou femmes, jeune homme, jeune fille, tout âge, tout sexe, tout genre. Ok, c'est à vous d'adapter, s'il vous plaît. Si ça ne vous parle pas, on laisse tomber. N'insistez pas, quand ça ne veut pas parler, c'est que de toute façon, c'est normal. Là, je le fais pour la France et l'international. Ça ne peut pas parler à chaque fois pour toutes les vierges. Il y a des fois, il y a des messages ou un message. Et des fois, il n'y a rien du tout. Ça sera dans un prochain tirage. Le tirage, ce n'est pas moi qui le commande, d'accord? Donc ici, j'ai des bons messages que j'ai eus auparavant. Et donc ici, on me disait que, en fait, on allait utiliser
nos capacités, notre potentiel et que certains vierges, hommes ou femmes, vont faire un bond en avant, d'accord? Et en fait, si vous préférez ici, moi ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on est né avec tout ça. On est né avec les capacités, le potentiel, d'accord? Et puis, dans la vie, parfois, bah, écoutez, on a des épreuves qui ne sont pas évidentes dans notre vie et donc ça nous épuise. On ne croit plus en nous-mêmes, d'accord? Et on s'égare, mes chéris. Et là, je voudrais vous dire que ici, pour certains et certaines vierges, ici, il y a... Vous avez, alors, soit une décision importante dans votre vie que vous allez prendre, d'accord? Ou bien... Vous allez solutionner le problème, d'accord? Et ici, et vous allez apporter la joie, la stabilité, d'accord? Vous avez besoin de vous ancrer, d'accord? Et vous avez besoin, en fait, si vous voulez, de faire sauter ces obstacles, cette lenteur aussi, hein, cet état de léthargie, d'accord? Où on ne bouge pas, on réfléchit, mais on n'arrive pas à bouger, voilà. Mais vous sentez aussi que, bah, écoutez, vous avez besoin... de passer par là pour en fait réfléchir et ensuite vous vous réveillez, vous mettez en action, d'accord? C'est comme si, je dirais, votre corps, on va dire c'est un véhicule, d'accord? Comme le chariot, c'est un véhicule, mais là, il faut monter dans le véhicule, d'accord? Il faut monter dans le véhicule. Et en fait, c'est à vous de conduire votre véhicule, d'accord? Et par exemple, votre cerveau, de lui ordonner certaines choses et d'utiliser votre cœur pour que les choses soient faites dans l'amour, à bon escient et que ça se réalise aussi, d'accord? Et ici, chez des vierges, vous avez un projet ou des projets, peu importe si vous l'avez mis en route ou non, il y a eu de la fatigue. Il y a eu de la fatigue et aussi ça n'avançait pas. Ça peut être pour X raisons, d'accord. Ça, vous adaptez, c'est votre côté à vous. Mais moi, ce que je peux vous dire ici, on a de la renaissance ici. On a ici l'empereur également. Et si vous voulez, ici, vous allez reprendre le pouvoir, l'assurance, la confiance et la volonté. Et là, vous allez persévérer. Et c'est surtout que vous allez avoir de la volonté, donc vous allez m'atteindre votre but, on est bien d'accord? Et vous allez, en fait, si vous voulez, relever et vous réaliser, d'accord? Relever vos objectifs, atteindre son but et se réaliser ici. Pourquoi? Parce que ici, le mal, lui, il est déterminé. Vous allez écouter votre âme, parce que cette carte-là, c'est le mal, en fait, c'est votre âme, en fait, elle... Votre âme, elle est déjà en route. Et qu'est-ce qu'elle veut, votre âme? Ce qu'elle veut, c'est que vous la rejoignez. D'accord? Qu'il n'y a pas un décalage. Que vous la rejoignez, vous ne faites plus qu'un. Alors, ici, de toute façon, vous êtes déterminé en route. Ici, vous reprenez votre confiance, votre pouvoir, votre place. D'accord? On a la force qui nous accompagne. Et vous avez la réussite ici. Trois cartes de réussite. Hein. D'accord? Alors, je vérifie juste que vous voyez bien les cartes. C'est important, hein, bien entendu. Oui, ça va. Donc, ici, ici, on a la force, on a un vœu qui se réalise. On a des contacts, des échanges, d'accord? On va mener à bien ces contacts, ces rendez-vous, des prises de rendez-vous, des négociations. Mais tout ça, pourquoi en fait? Tout ça pour la victoire, la réussite et pour qu'on soit, en fait, qu'on se réalise et qu'on soit dans la plénitude, d'accord? Et ici, pour certains et certaines, il est question même, ici, j'ai des personnes qui partent à l'étranger, d'accord? Ou à l'inverse, quelqu'un vient de l'étranger vous voir. Hein, ça, c'est possible aussi, hein, d'accord? Et ici, en fait, pour certains et certaines, on déménage aussi pour un épanouissement, pour mieux, pour améliorer notre vie. Et on va voir un petit peu.
En fait, ici, l'univers qui vous demande, mes vierges aussi, c'est comment vous voulez être, d'accord, vous, et votre vie dans un avenir proche. Comment vous voyez votre avenir? Comment vous voulez, à quoi vous voulez qu'il ressemble? Et alors, dans ce cas-là, vous êtes né avec le potentiel, vous le savez. Vous avez déjà utilisé votre potentiel pour, obtenir cet emploi, obtenir cet appartement ou cette maison, peu importe, négocier, si vous êtes amené à négocier souvent dans votre vie ou votre emploi, mais quand vous avez réussi pleinement, pourquoi? C'est parce que vous êtes né avec ces capacités, avec ce potentiel, et c'est très important. Et moi, ça me rappelle quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Rumi. D'accord. Et lui, il dit quelque chose, je ne sais pas où est-ce que c'est, attendez, parce que j'aurais bien voulu vous le lire, mais maintenant ça me percute. Juste une minute, je regarde. Ah, voilà. Rumi, il a dit quoi? C'est une pensée à lui, hein, que je vais vous lire. Rumi, il a dit, alors, vous êtes né et rempli de potentiel, vous êtes né et rempli de bonté et d'assurance, vous êtes né de plein de rêves et d'idéaux. Vous êtes né revêtu de grandeur. Vous êtes né avec des ailes. Apprenez à vous en servir et vous serez, et vous vous envolerez. Voilà ce qu'il a dit Rumi. C'est une pensée à lui. Gratitude à Rumi. Moi, ça me rappelle Rumi. Donc, je vais déposer juste, hop, mon livre. Alors, pardon. Donc, en fait, ici, tout ça pour dire qu'on va se réaliser, on va vers la victoire, le triomphe, hein, d'accord? Ici, il y a le succès. Ici, il y a la réussite, hein, d'accord? Et mes chéris, je vous dis, vous êtes capables, amplement capables. On va continuer. Pour certains et certaines, vous attendez quelque chose de légal, c'est clair. Et puis, hop, on est... C'est un peu le feu vert qu'on attend, d'accord? Pour d'autres, vous avez déjà démarré et vous vous dites, ça arrivera. S'il y a des documents ou des autorisations, peu importe ce que ça peut être, quelque chose de légal, d'accord? Eh bien, on se dit, moi, en attendant, je peux faire ci, je peux faire ça, comme ça, je m'avance, vous voyez? Mais toujours est-il, ici, vous êtes debout et en marche. Hein, ça me plaît énormément. Vous avez un magnifique tirage. Et je vous assure... qu'il y a des obstacles, je les vois très bien par le pendu, hein, ici cette carte c'est ça qui représente les obstacles, ou alors si c'est pas des obstacles, c'était à un moment donné on était fatigué, on n'avait pas trop la forme et tout ça, on est bien d'accord, mais c'est pas grave, on va dire ça c'est un reste, d'accord, mais vous vous dirigez vers quoi? Vers ces magnifiques cartes. Par contre pour certains et certaines, il y a des actions aussi en justice, et moi je pense que vous allez avoir des nouvelles, d'accord, prochainement, puisque cette carte, elle est sortie. Elle est là, et en plus, j'ai la justice, mais en plus, j'ai le jugement. Donc, il y aura un verdict. En tout cas, la justice va statuer. D'autres, vous avez peut-être des documents à rajouter. Peut-être que vous êtes en retard, vous procrastinez. Et il est temps de vous réveiller un petit peu, parce que les choses, elles vont pas se faire toutes seules. Et si vous avez des documents... pour faire avancer, si vous voulez, votre dossier et qu'il passe en justice et qu'il soit traité et jugé, eh bien, à ce moment-là, il faut faire les choses, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ensuite, vous avez ici, pour certains et certaines vierges, ici, il est question peut-être d'argent, peut-être un dédommagement, je ne sais pas, à vous de voir, vous savez ce que vous vivez, mais il est question de ça ici. De toute façon, ici, vous avez la détermination et la renaissance. C'est un peu comme le printemps. Hein. Le printemps, en ce moment, il y a des bourgeons. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir des nouvelles petites feuilles qui vont grandir, hein, qui vont être fortes. Elles sont déjà fortes. Hein. Et il va y avoir des petites fleurs, des choses comme ça. C'est la renaissance, ça y est. C'est la nature qui se réveille. Ben, vous êtes pareil, en fait. Hein. Au printemps... on renaît. Au printemps, qu'est-ce qui se passe? On regagne de l'énergie et puis on va déplacer des montagnes. On va débloquer des situations. On se réveille en fait. Vous voyez, l'hiver, c'est fait pour se reposer. Au printemps, on se réveille, d'accord? En été, c'est la patate, c'est la pêche, c'est l'action, d'accord? Et puis, on est ressourcé avec
l'énergie du feu. Vous savez très bien qu'est-ce que je vous dis toujours. Je vous dis, bah, le soleil, ça vous apporte, c'est sûr, la vitalité. On se ressource l'énergie, ça c'est vrai, c'est super. Mais également, et gratitude au soleil, aux éléments, à l'univers. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi au niveau de votre morale. On a la pêche, on a l'humeur, on a envie de sortir. Vous voyez, on a envie de sortir de notre coquille. On a envie de s'habiller, on a envie de se faire beau et belle. À nouveau, on fait attention à nous, même si on s'est un peu négligent, entre guillemets. Vous voyez, pour les hommes, peut-être vous vous êtes dit, oh, bah, cette semaine, je ne me raserai pas, et puis je verrai bien, et puis 10 jours passent. Ben non, là, en fait, on a envie plus de faire attention à notre apparence, puis on a envie aussi de se dépasser, en fait, si vous voulez, de relever nos objectifs. On a envie d'avancer. Moi, c'est ce que je vois ici dans les cartes. Alors, pour certains et certaines qui êtes, vous qui êtes bloqués dans des situations, le message que j'ai, c'est qu'il n'y a, rien qui, comment dire, l'univers, il peut vous donner un coup de pouce, mais l'univers, ce qu'il attend de vous, c'est de réagir, vous voyez, c'est d'être déterminé et de faire changer les choses. Il n'y a rien, on ne peut pas lever les mains comme ça et dire j'attends. Non, il n'y a rien qui va tomber comme ça, donc c'est très bien, vous êtes d'accord avec moi. Donc en fait, il faut réagir, action, réaction, et puis ensuite, en découle un résultat. Et vous avez toutes les capacités. Vous savez très bien comment fonctionne la Vierge. La Vierge, à un moment donné, quand elle se met un coup de pied au derrière, d'accord, eh bien, ça y est, elle s'y met et elle réussit de très très belles choses. Vous savez de quoi je parle parce que ça vous est déjà arrivé dans la vie. Donc, mettez-vous un coup de pied au derrière et on avance, d'accord? Alors, on va regarder un petit peu. Merci. Ouais, il y a un verdict. Hein. Il y a un verdict. Il y a une réponse, un verdict, il y a quelque chose. Hein. Effectivement. Moi, pour moi, c'est favorable. Là, maintenant, ici, vous allez émaner, vous allez être magnétique. Donc, vous allez attirer, c'est sûr, au niveau du sentimental, des hommes ou des femmes, d'accord? Mais vous allez attirer aussi des réussites à vous, d'accord? Mais vous entreprenez, hein, c'est ce que je vois, hein, je vous le dis, hein, vous êtes debout et en marche, et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Parce que si on reste assis, assise à attendre et à espérer, vous savez, on peut attendre longtemps. Hein. Parce que c'est vrai, c'est bien quand on sait qu'il y a de l'espoir, mais après, il faut être dans l'action. Hein. Pour certains et certaines, il y a eu du retard, d'accord? Ben, c'est blocage, ça peut être ça, le retard. Hein. On se culpabilise parce qu'aussi ce retard, il est à cause de nous, pour certains et certaines. Pour d'autres, en fait, si vous voulez, ça vous fatigue. Ça vous fatigue, voilà. Pour d'autres, par contre, ils vont être coupables au niveau de la justice. Ça, c'est particulier ce que je dis. Attention, commencez pas à paniquer. Mais je vous dis, il y a un verdict, il y a la justice qui statue. Pour certains, vous serez coupables. Pour d'autres, non, vous allez attirer justement quelque chose. Et d'autres, vous arrivez à un carrefour de votre vie où on va vers un changement, d'accord? Mais on vous demande de faire votre choix et vous le savez très bien. Pour d'autres, vous aurez de bonnes nouvelles, une bonne nouvelle ou des bonnes nouvelles, mais c'est quelque chose de bon. Peut-être aussi, certains et certaines, vous avez dit quelque chose et vous le regrettez. Il y a le retour d'une ex ou d'un ex ou alors d'une situation, d'accord, qui a pris du retard, qui a mis du temps. On a quelque chose d'étranger qui arrive à nous, d'accord. On a une surprise ou quelque chose d'inattendu aussi. On a un coup de pouce de l'univers, c'est vrai, pour certains et certaines, d'accord. Et en fait, si vous voulez, vous avez... en fait, c'est comme si vous avez des planètes au fur et à mesure... plus vous allez vers le temps, peu importe, vers le printemps, on va dire, pour l'instant, mais pourquoi pas dire aussi printemps-été, honnêtement, mais on va se réaliser ici, c'est clair, on va avoir des planètes alignées, on va avoir de bonnes planètes, d'accord? Et en fait, si vous voulez, pour d'autres personnes, vous avez un rapport avec l'étranger, où vous devez retourner à l'étranger, où vous devez retourner dans cette région, où vous devez retourner dans cette ville, peut-être, d'accord? Et d'autres, en fait, si vous voulez, on va se revoir. Peut-être que vous connaissez, vous avez des amis, ou peut-être que
peut-être que vous avez des amis, ou alors peut-être que en fait il y a des amis qui viennent vous voir, ou vous avez de la famille. Enfin, c'est à vous de d'adapter, hein. Sinon, ici, on va signer un compromis. On va signer un compromis, on va trouver un compromis pour certains et certaines, d'accord, un accord. Et en fait, si vous voulez, ici, il y a de la réussite, hein, pareil, il y a la poignée de main, on est d'accord, et puis on est content, hein, en fait, hein. Et pour d'autres personnes, ça vous parle de contrat. Donc, ça peut être un contrat de travail, ça peut être aussi également financier, ça peut être un accord au niveau de votre banque aussi par rapport à un crédit, ou alors vous avez un peu de retard et vous vous arrangez, vous voyez. On négocie aussi beaucoup, on met en place un échéancier, puis il nous est accordé, parce que des fois il y refuse, hein. Donc là, non, au contraire, hein, on vous accorde. Là, il y a trop de cartes. Celle-ci, je la prends et puis c'est la chance. Donc voilà, vous allez avoir une belle période de chance. Et je vous disais, mes chers vierges, qu'on va avoir des planètes alignées, d'accord? Qui sont en notre faveur. Et donc, on va avoir une période de chance. Et cette chance, il faut la saisir. C'est une opportunité, d'accord? C'est passager, on est bien d'accord. Mais ici, c'est une chance pour ce contrat. Ou alors, c'est des négociations, des conciliations. Et puis, à la fin, on trouve un accord, un compromis, d'accord? Alors, ensuite. Et après, bah, écoutez, vous allez être dans la joie, on va se féliciter ou on va vous féliciter, on va être fier, on va être content, contente. Ici aussi, pour certains et certaines, ils arrivent à un stade de leur vie, à un carrefour de leur vie où ils ont envie de s'engager, d'accord? Ils ont envie de s'élever à un stade supérieur d'engagement. Donc, c'est possible un bébé, c'est possible aussi. Soit un petit bébé, ou c'est possible aussi également fiançailles, mariage, Pacs, vie commune, vous voyez, où on agrandit la famille, ou alors on déménage, enfin, à vous de voir, mais il y a du bon temps ici, il y a de la joie, et c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ici, certains, vous avez mis en place, en route, un projet où vous allez le mettre en route. On a toujours la justice qui est là. Hein. Vous allez trancher, vous allez choisir, prendre une décision importante. D'autres, il y a des réponses, il y a des nouvelles et ça bouge au niveau de la justice, d'accord? On va avoir des réponses. On était en attente, et ben, la justice, ça va statuer, d'accord? Ensuite, ici. On va savoir trancher. Pourquoi? On va se choisir nous-mêmes. On va se choisir nous-mêmes. Et justement, vous avez toutes les capacités. Écoutez-vous vous-même. Vous connaissez vos valeurs. Vous connaissez votre force. Vous connaissez, en fait, si vous voulez, vos principes qui vous régissent, votre valeur, votre dignité, mes chéris. Et vous en avez. Donc, en fait, ici, vous allez grandir. Et on va reprendre un petit peu, on va se souvenir de nos valeurs. Hein. On va se dire, non, mais pourquoi moi j'ai fait ci et ça? Alors que pourquoi moi je laisse, comment dire, envenimer les choses ou cette situation alors que moi je ne suis pas comme ça? On va se réveiller ici, d'accord? Et écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et les ressentis. Hein. On aura de bons ressentis. Et ici, on reprend, je vous ai dit, hein, on reprend son pouvoir à hein, lui. Il est très fort parce qu'il est zen, il n'est plus dans l'anxiété, il n'est plus dans le stress. Hein, au contraire. Hein. Et il y a quelque chose, il ne le voit pas encore parce qu'il a les yeux fermés, il médite. Ça aussi, c'est bon pour nous, les vierges, de méditer. Et ici, en tout cas, prendre du temps pour nous. Hein. Ici, en tout cas, on est de zen, on est bien. Hein. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'amour à apporter à soi-même. Hein, aimez-vous, c'est important. Et à vos proches, d'accord? Et ici, il y a quelque chose qui vient à lui. Pour moi, c'est une nouvelle. Ou alors, on va résoudre un problème. Ici, il y a quelque chose qui vient vers lui. Ensuite, je vais. On va s'éloigner, si vous préférez, d'une situation pas évidente, d'une période lourde. Ici, oui, celui-ci. Trois cartes, s'il vous plaît. Une. Donc, comme vous attirez, vous émanez, bah ici, vous attirez, il y a de l'attraction.
il y a des vierges, hommes ou femmes, qui sont attirés par une personne. Voilà. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà ou une personne que vous allez rencontrer. On est dans la souplesse, dans la légèreté. On est flexible, hein, on trouve du temps pour l'autre, pour soi. On est aussi dans les apparences, hein, on fait attention à nos apparences. On va faire attention à notre alimentation. On va se faire beau, belle, ou s'il faut acheter quelque chose et se faire plaisir ou rajouter quelque chose qui manque, et on le fait. Et ici, on est beaucoup dans le début, hein. Dans le début, dans le flirt, dans la tendresse. On a de bons ressentis, hein, et on est aussi une aide pour l'autre, hein, d'accord? On est une aide et on protège l'autre, hein, beaucoup. Hein. Ça peut être aussi nos enfants, hein, pour certains et certaines, et, ou alors l'autre. Et ici, on est beaucoup dans le flirt, hein. Et d'autres, vous en avez marre d'être célibataire. Vous avez envie maintenant d'avancer, vous avez envie de vous ouvrir, d'être open. Parce que jusqu'à là, bah, écoutez, peut-être que vous n'étiez pas ouvert à accueillir l'amour pour X raisons. Parce que tout simplement, par exemple, il y a eu une déception, le temps de guérir, hein, d'accord. Et puis d'oublier, on n'oublie pas, mais le temps de se sortir de là, et puis de tirer des leçons, et puis de guérir, hein. Le temps de s'en sortir, en fait, et puis de guérir surtout. Il y en a pour certains et certaines, là, je voulais voir quelque chose, parce que j'ai quand même la justice, hein, donc j'ai la rupture, hein, quand même, hein, ouais. Vous êtes à l'arrêt, il y a une rupture ici, hein, mes chéris, d'accord. Il y a une rupture, vous, ici, l'autre joue avec notre cœur, ici, ou c'est vous, attention, hein, vous inversez, hein, s'il le faut, hein. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même, hein. De toute façon, ceux qui se reconnaissent, vous savez que ça vous est destiné. Hein. Donc là, soit c'est l'autre, soit c'est vous qui jouez avec le cœur de l'autre, ou l'autre joue avec votre cœur, et bah, on a le cœur serré, compressé, et on ne va pas très bien. Mais ici, c'est soit la rupture qui vous guette, ou alors vous êtes déjà dans la rupture, dans la séparation. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a par rapport à ça, s'il vous plaît? Encore une carte. Alors, je vais prendre celui-ci. Allez, on continue. Merci. Oui, effectivement, ici, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Il y a une rencontre dans l'air. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok, bah, vous espérez rencontrer un type de personne comme ça, avec une mentalité comme ça, avec un physique comme ci, comme ça. Ben non. Là, ça diffère, mes amis. Peut-être que d'habitude, vous n'aurez même pas regardé cette personne ou cette femme ou cet homme. Et puis là, il y a quelque chose qui émane de lui. Il y a quelque chose qui fait que c'est sa personnalité, son charme. Et ça vous attire, vous voyez. Et après, on ne s'arrête pas au physique. Donc, on regarde aussi, bah, écoutez, le cœur de la personne. Il y a de l'engagement dans l'air, hein, mes chéris, hein, ça confirme. Prochainement, il y a de l'engagement dans l'air au printemps et en été, hein. Et même ça va plus loin, bon, on va s'arrêter là pour l'instant, mais ça va plus loin, moi je dirais même début d'automne, hein. Oh là là, j'en ai trop, ça veut toujours parler avec mes vierges, avec nous, c'est comme ça. Il y a certains signes non, et puis il y a certains signes que oui, c'est comme ça. Alors on va regarder, s'il vous plaît. Et ici, je vais vous dire, ceux qui ont des projets, je vous dis que vous les avez mis en route ou non. Vous allez être du tonnerre de Dieu. Tonnerre de Zeus. Ça, c'est pour les coups de foudre. Non, je veux dire, là, ici, vous allez être en pleine capacité, en plein potentiel, en plein power, en plein pouvoir, d'accord? De votre force, voilà. De votre pouvoir. Et là, vous le prenez. Et là, vous allez détrôner ce qu'il faut détrôner, hein. C'est bien. Il vous fallait ça, hein. Mais vous savez comment vous êtes. Hein. Vous étiez un petit peu dans, je ne sais pas, endormi. Vous étiez un peu mou, molle. Et puis ça y est, on se réveille ici. C'est très bien. Il était temps. Qu'est-ce que vous voulez? Parfois, c'est pas un tort aussi, hein, de prendre son temps, que en fait, les choses elles se fassent correctement. Des fois, au niveau de l'univers, il nous bloque. Hein. Des fois, on va trop vite ou on peut... on ne le sait pas, nous, mais des fois, on évite de justesse une grosse erreur
Et puis en fait, voilà, c'est tout. Hein. Les obstacles là, je vois très bien qu'ils vont être levés et puis vous allez réussir. Vous allez vers cet accomplissement, cette réussite. Hein. Cette réalisation, c'est bien. Il y a de l'attraction, hein, ça recommence. Hein. En fait, alors, ça peut être aussi dans mes couples. Il va y avoir de la une grande attraction, une grande alchimie. En fait, si vous voulez, il y a un souffle nouveau et en fait, on apporte du... On apporte à l'autre du temps, des mots doux, des gestes, vous voyez. Et en fait, ici, peut-être comme j'ai le chariot, vous partez en vacances ou bien un week-end, c'est possible. En tout cas, ou même une sortie, hein, parce que c'est du mouvement, ça, hein, le chariot. Hein. Mais en tout cas, on va penser à se faire du bien avec l'autre et vous voyez, donc c'est bien. En tout cas, ici, on vous dit aussi, pour mes célibataires, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ça, c'est pour mes célibataires et mes couples. Amour véritable. Alors, soit vous êtes déjà avec votre amour véritable, c'est votre amour, mais pour votre, toute votre vie, ou l'amour véritable, ou alors vous allez le rencontrer, mes chéris. C'est bien. Ça ne parlera pas à tout le monde, je suis désolée, c'est l'univers qui le décide, mais j'espère que ça va parler. Je vous le souhaite de tout mon cœur, un maximum de vierges. D'accord? Parce que la vierge, en fait, elle a besoin, la vierge, elle a besoin de, elle a besoin, en fait, si vous voulez, d'apporter beaucoup d'amour à l'autre, donc à l'autre ou à sa famille, vous voyez, ou alors même si elle est célibataire, elle a envie de créer une famille. Elle a un idéal, elle a envie de créer une famille, vous voyez. Et en fait, si vous voulez, elle a beaucoup d'amour à partager, la Vierge, même au niveau de l'amitié et de la famille, hein, d'ailleurs. Hein. Mais il faut faire attention, et il faut se préserver aussi. On ne donne pas comme ça de l'amour et de son énergie, de son temps. Non, bah déjà, c'est un manque de respect envers nous-mêmes. Il faut donner du temps, de l'énergie à l'autre, mais il faut savoir aussi, et pas n'importe comment, si vous voulez. Ayez des valeurs, vous les avez, ces valeurs-là. Alors, recentrez-vous sur vous-même et vos valeurs. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, ça, c'est soit mes célibataires, c'est ce que ça confirme, ou bien, il y en a certains et certaines, il y a eu des efforts de fait, ou alors peut-être vous vous êtes négligé dans, dans votre couple, hein, au niveau du couple, et là, vous vous retrouvez, ça confirme, vous allez vous retrouver, il y a une belle période, et puis, on donne du temps, d'accord? C'est magnifique. Continuez comme ça. Moi, j'aime beaucoup vos tirages, mais hier, j'avais des bons messages, et là, ça confirme. Encore une carte, s'il vous plaît. Et après, on va regarder les portes de l'intuition. Alors ici, il y avait le retour d'un ex, vous vous souvenez. Ici, le retour, je vous disais, d'un ex ou d'une situation, on vous demande de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Purifier votre énergie et de guérir. Et pour certains et certaines, en fait, vous allez laisser le passé au passé. Pourquoi? Parce qu'il y a ici de la nouveauté. Hein. Vous avez... ici, et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, nouvel amour. Ici, chez mes couples, il y a un nouveau souffle, et chez mes célibataires, vous allez rencontrer, vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée dans, entre toutes, mes chéris. Et donc, on laisse partir son ex, une ex ou un ex, le passé, pour accueillir de belles énergies, mes chéris. Hein. D'accord? Et puis pour ceux qui subissent la séparation, d'accord, la rupture, bien écoutez, il y a du changement ici, vous allez vers la guérison en tout cas. Alors, ici, moi pour moi, comment dire, on va faire un bond en avant. Il y a du changement, et comme il y a du changement, si vous voulez déjà, ça va vous faire du bien. Et même vous, hein, vous allez vous dire, qu'est-ce que je veux moi dans ma vie future? Qu'est-ce que je veux? Voilà. Qu'est-ce que je veux pour que je le fasse face au présent? Alors, on va tout faire justement pour réussir et s'accomplir. D'accord? Ici, on vous dit le ressenti, hein, beaucoup. Hein, rappelez-vous, cette carte aussi, hein, c'est le ressenti. Hein. Alors, peut-être dans une situation, peut-être au niveau du sentimental, on va réfléchir, ou du travail, vous voyez, mais il y a beaucoup, ou un projet, voilà. Il y a le ressenti, voilà.
Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ben, ça, c'est la loi d'attraction. Ça, en fait, si vous voulez, si vous imaginez les yeux éveillés comme moi je fais, hein, moi j'arrive à en fait avoir des visions, à visualiser des choses et elles se réalisent. Et tant mieux, en fait, je fais appel souvent à la loi d'attraction parce que moi j'y crois super fort et que moi j'ai eu des résultats et c'est la preuve A plus B si vous voulez. Maintenant, après la loi d'attraction, il faut s'exercer, il faut le faire avec notre pensée, notre cœur, avec nos sentiments, avec, avec tout en fait, hein, c'est le tout et un, hein, le un et tout, et il faut tout, c'est un ensemble en fait. Hein. Bon, j'ai du mal à vous l'expliquer, allez sur YouTube, il y en a certains qui sont pro, moi j'aime beaucoup les Américains, ils expliquent super bien, mais pas que, j'aime bien tout ce qui est, vous avez des hindouistes ou bouddhistes, ou, vous avez beaucoup les bouddhistes et puis beaucoup dans le Tao aussi. Après, bon, après, moi, c'est des années de lecture, mais c'est vrai que eux-mêmes l'utilisent. Hein. Donc, même la Chine antique, hein, même du temps d'avant. Hein. Donc, on utilisait la loi d'attraction parce qu'ils avaient bien compris certains et certaines le pouvoir que ça avait. Et puis, c'est aussi d'invoquer l'univers, on est bien d'accord. Et en fait, quand vous imaginez, quand vous visualisez les choses, ça se réalise. Mais il faut être là à 100% pour ça fonctionne. Et donner la main un petit peu, c'est comme si vous donnez la main à l'univers et dire, voilà, moi j'y crois et ça va arriver. Et je visualise les choses et ça arrive en réalité. Vous voyez, bon, c'est particulier, mais pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Donc, faites appel à la loi d'attraction parce que clairement, ici, ça va prendre racine en vous. C'est ce qu'on vous dit. Et ressentez les choses, parce que c'est vrai, la loi d'attraction, il faut ressentir, c'est sûr, il faut imaginer et visualiser, mais il faut ressentir comme si c'était déjà là. Voilà, moi, il faut le faire à 100% de toute façon, pour que ça fonctionne. Le grand plan, il y a un grand plan ici. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir, mes amis. Ici, il y a une métamorphose, il y a une réussite à venir, d'accord ? Et il y en a pour certains et certaines, vous guérissez. Hein. Il y a eu un travail psychologique, un travail d'intérieur, un travail... la loi d'attraction, c'est aussi ça, hein. C'est la métamorphose. Hein. Ce n'est pas que de se visualiser de réussite au niveau financier. C'est aussi, par exemple, pour la santé, quand il y a quelque chose qui va mal. Hein. Donc là, ici, moi pour moi, il y a une belle métamorphose. Il y a de la réussite dans l'air, hein, de toute façon, peu importe que ce soit financier, la santé, professionnel, dans l'amour, il y a de la réussite dans l'air. Il y a du changement. Hein. Vous allez, on est en train de muter ici. Hein. Et oui, c'est pour ça que je vous disais l'exemple des bourgeons tout à l'heure et qu'il y a des petites feuilles, des nouvelles feuilles. On est dans la nouveauté beaucoup. Hein. Je vous dis, vous êtes en métamorphose là. On est dans le changement, mes chéris. C'est bien. Et puis, vous allez... la méditation, tout à l'heure, ben voilà, hein, ça, c'est un message de l'univers et de ses guides, hein, sa formidable équipe. Et puis, voilà, je vous ai parlé de méditation. Vous en avez besoin, les vierges. Donc, si vous ne connaissez pas, intéressez-vous. Pour ceux qui connaissent, ben, allez-y. Ça vous fait du bien. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, la méditation, ça va vous faire du bien au niveau du mental, d'accord? Parce que le mental, vous savez que quand il est enclenché, vous avez du mal à déconnecter. Et ça, vous savez de quoi je parle, mes vierges. Donc, si vous voulez, bah ici, il y a des choses à faire dans la vie pour déconnecter et comprendre ça. Et ensuite, bah, vous en prenez l'habitude et vous vous déconnectez plus facilement, d'accord? Je voudrais encore une carte, s'il vous plaît. Voilà, la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie, mes chéris, soyez dans la gratitude, d'ailleurs j'ai posté quelque chose la semaine dernière en vous disant, en écrivant que c'est bien aussi d'être dans la gratitude au niveau de l'univers, d'accord, pour remercier tout ce qu'on a déjà, hein, la santé, nos enfants pour ceux qui en ont, notre travail, une situation financière, enfin, peu importe, plein de choses, il faut remercier pour ce qu'on a déjà, nos meubles, notre voiture, notre vélo, ce que vous voulez, mais regardez les choses que vous avez déjà dans votre vie,
D'accord. Et soyez dans la gratitude, mes chéris, c'est important. Et là, je cherche rien du tout parce qu'il est là. Je voudrais un petit peu. Ça, c'est le petit bol de Yona. Et oui, il y a des bols partout, à droite, à gauche. Non, il n'y en a que un. J'ai rien dit. Ce que j'allais dire, moi, j'arrête pas de ramasser les bols. Ma fille, bah, c'est les jeunes, hein, que voulez-vous, j'ai beau lui dire. Mais c'est comme ça, mais non, j'ai rien à dire parce qu'en fait, il n'y en a qu'un. Autant pour moi. Alors. Non, parce que c'est facile de sortir les bols, mais après, il faut les laver. Hein. On est d'accord. On ne les laisse pas à droite, à gauche. Hein, c'est trop facile. Donc ici, chevalier de feu, mais vous, vous allez être chevalier, hein, mes chéris, hein, de toute façon, hein, vous allez avoir le fuego, le feu à l'intérieur de vous, au niveau de l'amour, au niveau de vos projets, au niveau de l'emploi, au niveau de ce que vous voulez. Ici, on se dépasse ici, d'accord? Ici, l'empereur, vous vous souvenez, je vous disais, la confiance, l'assurance, on redevient empereur. Et c'est très bien. Après, des fois, on perd hein, cet habit d'empereur, on ne l'a plus, vous voyez, mais on le reprend de temps en temps. On va avoir de belles planètes, hein, mes chéris. Hein. Un événement soudain, ouais, mais en plus, ici, il y avait la surprise. Oulala, il y a quelqu'un ici, j'allais dire prison. Et comme je vois la justice, j'allais dire le mot prison, ça ne parlera pas à tout le monde. De toute façon, la justice, elle va statuer, hein. Soit c'est favorable, soit c'est défavorable, mais elle va statuer, vous allez avoir des nouvelles, hein. Ça arrive ici, hein. C'est pas pour rien qu'elle sorte deux fois. Alors, ici, passionné, aventureux, confiant, agité. Bon, alors on se calme, hein. Agité, c'est pas très bon d'être agité dans tous les sens, hein. On se recentre, et alors on est dans l'action, ça c'est autre chose. Être dynamique et être nerveux, c'est pas la même chose, hein. On est d'accord. Un événement soudain sollicite toute votre attention, mes chéris, le temps presse, réfléchissez attentivement. Hein, le temps presse, c'est pas vous, on va vous mettre, on va vous presser, hein. C'est le temps presse, ça arrive là. Il y a quelque chose qui arrive si vous voulez, et là il va falloir réfléchir attentivement, d'accord, être là au bon moment. Et on est dans l'action ici, hein. Alors peut-être c'est une opportunité à saisir, d'accord. Eh bien. Ici, on a le retour du feu à nouveau, qui est là, le voilà, c'est la reine de feu, mes chéris. Confiante, on parle beaucoup de confiance. Moi, pour moi, vous récupérez votre confiance, vous récupérez votre pouvoir, d'accord, et votre place comme il se doit. Parce que vous êtes des princes et des princesses, d'accord, et là, vous allez sortir, si vous voulez, de, comment dire, de la nuit, d'accord. Vous allez sortir de l'obscurité, vous allez vers la lumière et tout va s'éclaircir, ainsi que vous allez prendre de plus en plus d'énergie. Et donc, déployez vos ailes, mes chéris. Donc là, on vous dit, moi tout à l'heure, je vous ai lu Rumi, hein. Rumi, tout à l'heure, il parlait aussi de déployer ses ailes magnifiques, on est né avec des ailes. Servez-vous-en, on vous dit. Et là, c'est marrant parce que les ailes, moi, pour moi, c'est la métamorphose aussi, hein, d'accord. Alors, ici, on vous dit, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Ah ouais, non, mais les vierges, qu'est-ce qu'elles se sous-estiment des fois? Moi, j'hallucine. Hein. Moi, je suis vierge, je vous dis, hein, honnêtement, heureusement que j'ai les trois autres éléments en lunaire, ascendant, descendant et Vénus aussi. Hein. Mais j'ai d'autres éléments qui me... Mais franchement, heureusement, hein. Mais en fait, on sait se sabrer, mais je ne vous dis pas comment. On est des pros, hein. Mon Dieu Seigneur. C'est dingue. Alors ici, on vous dit déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Mes chéris, vous en êtes capables, je vous ai dit, vous êtes nés avec ça. Faites-le faites-le ressurgir. Je ne sais plus parler, moi. Faites-le, comment dire, sortir de vous. Voilà, il faut que ça sorte de vous. Et jaillir, voilà, chercher mon mot, je l'adore ce mot-là, jaillir, faites jaillir cette puissance, cette force, cette lumière. Soyez dans la lumière. De toute façon, vous allez être dans la réussite. Moi, ce n'est pas pour rien que là, je vous ai mis du doré. Hein. On va s'accomplir ici. Hein. Donc, on vous a bien dit, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. D'abord, certains
et certaines vierges, vous n'avez pas besoin d'autres personnes pour aller faire des papiers administratifs, pour aller faire ci et ça. Vous avez vous et vous. Et puis, vous n'avez pas besoin pour avancer dans la vie, admettons, coûte que coûte d'une autre personne. Vous êtes venu seul au monde. Donc, s'il vous plaît, soyez indépendant, indépendante. Il faut un petit peu aussi prendre de la maturité et grandir. C'est ce qu'on vous demande ici, mes chéris, hein, d'accord? Moi, au moins, les messages, ils sont faits, ils sont passés, ils sont transmis. Ici, on parle quand même à l'indépendance, on parle quand même, et j'avais en dessous, hein, je l'ai toujours, mais je veux dire, je ne le vois plus, mais il est en dessous, j'ai l'empereur, et donc moi, pour moi, c'est l'indépendance, donc en fait, c'est encore une fois qu'on est à son compte, ou on va être à son compte, d'accord? Et de créativité, hein. Création d'entreprise, on va créer des choses, on sera dans l'abondance, on va être productif et productive, hein. 10 de feu. Vous êtes submergé de travail pour certains et certaines, vous êtes fatigué. Acceptez l'aide des autres. Ah ben là, on vous parle d'aide. Bah oui, hein, il faut aussi accepter l'aide des autres. Hein. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas attendre qu'on vous prenne par la main. C'est pour ça que je vous disais, soyez, vous êtes indépendant et indépendante. Hein. On vous dit accepter l'aide des autres. La vie est déséquilibrée en ce moment. Souci de santé lié au stress. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a certains et certaines, il y a de la fatigue et du stress. Hein. Donc, il faut... Mais là, c'est bon, hein, je le vois très bien. Hein, vous allez prendre du temps pour vous et votre famille, pour ceux qui ont une famille. Si vous êtes célibataire, vous prenez du temps pour vous. D'accord? On va se régénérer. On va vers... on va se ressourcer. D'accord? On va se redynamiser. D'accord? On va penser à boire un peu plus d'eau, à sortir un petit peu plus. D'accord? Et on va faire attention à notre apparence, à notre santé. C'est bien. Alors, page de feu, extraverti, créatif, on parle beaucoup de création, hein. Confiant, confiance, on parle beaucoup. Hein. Soyez un petit peu espiègle, ça va vous faire du bien. Vous aimez être espiègle, vous savez bien, ça vous va tellement bien le sourire et les éclats de rire. Vous entendez parler d'un nouveau projet, on rejoint ici les projets, hein. Enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité, d'accord, 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 très bien. Je vais voir quelque chose. Est-ce que je vais avoir un message ici? Là, certains et certains, peut-être vous avez un objectif, un projet, mais plus dans le partenariat, d'accord? Et d'autres, à l'inverse, c'est ce que je vous disais, indépendant. Mais d'autres, non, hein, il y aura des déplacements, et puis on a le cheval, le chariot, de toute façon, vous allez être en mouvement, hein, ici, hein. Il y a des déplacements, mes chéris, hein, je vous le dis. Hein. Alors, projet de cœur, ah oui, ça vous tient à cœur. En fait, vous allez vous épanouir, et ce projet-là, si vous voulez, c'est du plaisir, du désir, de la passion, on le fait avec cœur, mes chéris. La pleine lune, elle va vous aider. Hein. La prochaine pleine lune, elle va venir pour vous aider. Et là, on a la lune, c'est bien ça. En fait, les vierges, c'est vrai que j'ai remarqué d'ailleurs depuis longtemps. Hein. Mais nous, la lune, elle nous fait du bien. Bon, les autres signes aussi, hein, c'est pas ça. Hein. Mais on est très sensible quelque part. On prend les choses trop à cœur parfois quand ça nous arrive ou qu'on nous dit quelque chose. Mais on se vexe, on est blessé. Et notre orgueil il prend un coup, hein, ça c'est clair. Mais si vous voulez, il y a des fois, on prend des situations trop à cœur. Et on est abîmé, endommagé. En fait, la lune, elle nous guérit souvent. Hein. Et donc, il y a des guérisons qui vont se faire prochainement. D'accord? Et d'autres, vous avez, je tiens à vous dire, certains et certaines, vous avez peut-être envie de vous lancer dans la psychologie ou peut-être même... ce qui est médium, les cartes, par exemple le pendule, par exemple les runes, par exemple, enfin peu importe, mais tout ce que je viens de dire. Mais vous avez des peurs. Et c'est marrant parce qu'encore une fois, on parle des ailes. Alors moi, pour moi, il y a des gens... Bon, c'est pas que dans la psychologie, la psyché et le coaching et par exemple
le coaching personnel, hein, et par exemple certains thérapeutes et des voyants ou voyances, c'est en général, d'accord, écoutez, moi pour moi, les messages que j'ai eus, c'est que vous allez faire un bond. Et on parle beaucoup d'ailes, des ailes, et donc pour moi, c'est une envolée. Et pour moi, vous allez vous envoler. D'accord? Pourquoi? En fait, on s'envole pour se réaliser, mes chéris. Prochainement, dans les mois qui arrivent, et ça se voit très très bien au niveau de vos tirages, donc maintenant c'est général. C'est pas comme quand par exemple j'ai des consultations de personnes, d'accord? D'ailleurs là, je vais pas tarder parce que j'ai une consultation, il est 22 à 30, j'ai une consultation. Donc je vais terminer, de toute façon j'arrive, j'ai même exagéré parce que j'ai voulu voir un peu plus loin en fait. Il y a l'abondance ici, hein, mes chéris, vous vous réalisez ici. Hein. Bon, je termine ce que je voulais dire. Moi, pour moi, les messages sont clairs. Vous allez être dynamique, vous allez être dans l'action. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il y a de la réussite dans l'air. Dans les prochains mois qui arrivent, et ça se voit dans ce tirage-là, c'est que si vous voulez, peut-être certains, ça va être au mois de mars. D'autres, ça va être au mois d'avril, d'autres au mois de juin, juillet, août. Mais peu importe, en 2022, il y a des choses qui bougent chez les vierges. Vous allez vous réaliser. Chacun maintenant a son rythme de croisière, chacun a son rythme, d'accord? Chacun a ses projets, chacun veut, peut-être, certains c'est au niveau d'un travail intérieur, d'accord? D'autres ça va être au niveau de l'amour, du sentimental, d'autres vont vouloir se réaliser au niveau du pro, d'autres au niveau de leur projet. Bon, il y a plein de choses dans la vie et Dieu merci. Mais ici, on vous parle, si vous voulez, d'elle. Donc, moi, pour moi, vous allez vous envoler. Ça y est, on va être dans l'action pour se réaliser, hein, pour réussir. Hein. Et sinon, moi, je pense ici, il y en a et certains et certaines, peut-être vous avez rajouté du savoir il n'y a pas si longtemps que ça, hein, peut-être par une formation ou en ligne ou pas, hein, peu importe. Hein, peut-être on est obligé de se déplacer des fois pour des formations parce qu'elles ne se trouvent pas juste devant chez nous, vous le savez très bien. Ou d'autres fois, il y en a certains et certaines, bah écoutez, vous allez dans des centres, bon bref, vous comprenez. Alors, en fait, vous avez rajouté du savoir et si vous préférez, il va y avoir de bons résultats, mais on a des peurs. On a des peurs pour son avenir, on a des peurs que ça ne fonctionne pas, on a des peurs, voilà, des peurs. Et ça, ces peurs, ils vous empêchent de vous envoler. Ils vous empêchent aussi d'être vous-même à 100%, d'être vous-même dans vos capacités. Mais là, moi, je vois ce qui va se passer. Ici, pour certains et certaines, et j'espère que ça va parler à un maximum de personnes, ici, vous allez vous envoler. Je dis bien certains et certaines, hein, ce n'est pas comme quand je vous ai en guidance personnelle et que je vous fais votre tirage à vous et qu'on regarde, et voilà, là, c'est vous et moi, on est bien d'accord. Mais là, c'est du général, mes chéris, c'est pour ça que j'insiste bien et j'espère de tout mon cœur que ça va toucher plus d'un et d'une au niveau de la réussite, là, tout ce que je vois. Mais toujours est-il ici, on a des peurs. Hein. Il y a des peurs et on se sabre aussi. Hein. Après, vous savez, il ne faut pas écouter les autres quand ils vous disent « Mais tu fais n'importe quoi, tu ne vas pas réussir, nanana, nanana. » Non, il faut s'écouter sa petite voix. Voilà, je vous ai demandé tout à l'heure, au niveau du ressenti, d'écouter votre intuition. L'abondance, les choses semblent très bien aller pour vous. Donc là, moi, je pense que c'est en ce moment et prochainement, d'accord? Faites cependant preuve de patience. Alors ça, les vierges, des fois, vous êtes impatients, impatientes. Moi, j'ai appris avec le temps, mais heureusement que j'ai les autres éléments. Je vous dis franchement, hein, heureusement. Après, la vierge, j'aime aussi mon côté où quand j'enclenche la machine, les choses, quand je donne l'ordre à mon cerveau, j'explose tout. Moi, j'adore. Hein. Franchement, c'est pas que je m'en vante, mais je me connais, quoi. Alors, faites cependant preuve de patience, élaborer des projets à long terme. Moi, pour moi, ça parle des projets. Hein. Faites ce qu'il faut. Ici, j'ai l'impression que certains, certaines se sont lancés, c'est tout nouveau ou récent, et d'autres, vous allez vous lancer. Et donc, on va, comment dire, c'est comme si vous allez réaliser une pyramide et on met un bloc par bloc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais là, vous allez vers la réussite, ça c'est clair et net. Hein. On parle aussi de leçons, hein, donc tirer des leçons du passé ou de ce qui vient de se passer, admettons,
pour, si vous voulez, avancer dans la vie et pas retomber dedans dans des schémas répétitifs, mes chéris. Voilà, cette fois-ci, je vous laisse, mes chéris, les 26. Là, et puis il y a des déplacements ici. Hein. Et voilà, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Et ouais. Moi, je vais vous dire honnêtement, vous allez utiliser pleinement de vos capacités, de votre potentiel et de votre pouvoir. Et on redevient maître de sa vie. Et on redevient maître de nous-mêmes et de sa vie. Et là, en fait, si vous voulez, vous êtes vraiment dans l'action, mes chéris. Voilà, mes chéris, Nati, elle vous fait d'énormes bisous. I love you, mes vierges. J'ai un petit peu dépassé dans le temps. Et voilà, il y avait des choses à dire, des messages à dire. C'est fait, je vous les ai transmis. Je vous souhaite de tout mon cœur que ça vous parle, que vous vous réalisez. Soyez dans l'amour, apportez de l'amour à vous-même et à vos proches, d'accord, autour de vous. Soyez dans la lumière et dans la douceur. Bisous, à bientôt. I love you.